Bienvenue dans la suite et la fin des flashbacks d'été de On n'a rien préparé, le podcast d'improvisation bruxellois dans lequel on n'a presque rien préparé, sinon ça ne serait pas de l'impro. Et oui, quatrième et dernier flashback de cette entre-saison qui dure un peu plus que de raison. Ah là 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 là. Vous avez eu, j'espère, le plaisir d'entendre de super chansons qu'on a pu faire, en tout cas de celles qui nous ont le plus plu. Cette fois-ci, nous allons vous reproposer trois chansons qui ont été remixées par mes soins et sélectionnées par, bien entendu, Ize, Manu et moi, pour le plaisir de vos petites oreilles. Et nous commençons avec une première chanson qui date de l'épisode 36 de la saison 2, quasiment une fin de saison, hein, je crois qu'on peut le lire, et où Manu et moi chantons avec pour impulsion le mot « bouteille » et tout ça sur une instru dégotée par Ize. C'est parti, 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 parti. Je lance une bouteille à la mer, et la cour est très amère. J'espère pas qu'elle se perd. Ma petite bouteille à la mer, à la mer. Manu, je t'envoie un message, un message. Qui vient du fond des âges, du fond des âges. J'espère que tu vas m'entendre, m'entendre. Sinon je vais me prendre. Mais la bouteille s'est perdue. Mais la bouteille, l'entends-tu? Mais la bouteille à la mer ne me laisse en bouche qu'un goût amer. Qu'un goût amer, qu'un goût amer, qu'un goût amer. Où es-tu? Que fais-tu? M'entends-tu? Me vois-tu? Non, car je suis sur une île déserte. Je cours à ma perte. Je suis isolé dans ma tête. Moi c'est vraiment pas trop la fête. La modernité est une île déserte. Je te trouve mais non c'est la perte. Dans le chaos des pays qui l'ont fait à 100. Alors je crie mais j'ai trop peur. Et je crois qu'on ne m'entend plus. Et je crois qu'on ne me voit plus. Mais où es-tu? Elle a un goût amer. Elle a un goût amer. Une bouteille à la mer. Je me souviens, la pluie avait laissé une trace obscure sur les vitres de ma voiture. Je n'avais plus de quoi la nettoyer. J'avançais. La vitre sale, pleine de traces. Une bouteille à la mer. Dans le désert moderne. Je croyais te voir. Bouteille à la mer. Mais ce n'était qu'une ombre. Ce n'était que l'ombre de mes ex qui te remplaçaient sans cesse. À la mer. Et moi, je donnais des grands coups de frein et des grands coups d'accélérateur. J'espère. Parce que j'essayais en moi de chasser la peur. Et au fond, je ne te croyais plus. Je n'espérais plus. Je ne pense plus. Une bouteille à la mer qui me laisse un goût amer. C'est une bouteille à la mer. En moi, il n'y a plus qu'un goût amer. C'est une bouteille à la mer. C'est une bouteille à la mer. Il n'y a plus qu'un goût amer. C'est une bouteille à la mer. Eh ben Manu s'est fort amusé sur cette chanson et je dois dire que moi aussi je me suis bien donné à remixer ça. Un petit peu plaisir. J'espère que ça vous fera plaisir aussi. C'était fort sympa. Et
sans transition, nous passons à la chanson suivante. Une chanson qui date de l'épisode 13 de la saison 3. Une chanson où Ise et moi sommes inspirés par le mot lasagne et une instru dégotée par Manu. C'est parti! Une couche, et puis l'autre. Une couche, et puis la deuxième. Tu en ajoutes, parce que je t'aime. Lasagne de corps. Lasagne de corps. L'amour sans effort. Posément, je pose ma main. Gentiment, rien de brut. Juste toi, moi. Et les voisins. Les voisins. Une couche. Lasagne de corps. Lasagne de corps. Lasagne de corps. L'amour sans effort. Mais un jour, tu as posé une couche de trop. Une couche de trop. Une couche de trop. La béchamel a coulé, mes larmes ont coulé. Ta brutalité m'envahit. Je ne veux plus, je ne veux plus. Éloigne-toi. Lasagne de corps. Ou trop d'efforts. De corps à corps. Lasagne de corps. Lasagne de corps. L'amour. L'amour est déjà mort. Trop d'efforts. Lasagne de corps. Lasagne de corps. Lasagne de corps. C'est beau, mais c'est mort. Ah là là, c'est tragique, beau et tragique. N'est-ce pas? N'est-ce pas, public? N'est-ce pas, vous trouvez pas ça beau et tragique? En tout cas, moi, je trouve ça beau et tragique. En parlant de beau, nous passons à la troisième chanson de cet épisode hors série. Une chanson qui nous renvoie à l'épisode 39 de la saison 3, dernier épisode en date, avec Odile Cantero, notre chère invitée, qui chante avec moi et avec la participation de Manu et Ise sur le thème du parfum, avec une instru dégotée par Ise, si je ne m'abuse. Quand il passe la porte, je sens jusqu'ici qu'il a mis du parfum, qu'il ne vient pas pour rien. Chaque fois que je passe la porte, oui, je sens son odeur. Un indice de menthe, du savon et des fleurs. On fait que sentir. On se touchera jamais, non. On fait que sentir, nous.
on fait que sentir. On fait que sentir, nous. On fait que sentir. Je renifle le pas de la porte comme si j'étais un chien en chasse. Je suis désespéré, je me mets en position, je me tracasse. Oh, ils sont partout, ils sont tout le temps. Mais je peux pas lécher ses dents. Non, parce que c'est pas encore un amant, non. C'est surtout le voisin, non. Alors on fait que sentir. Du bout des narines. On fait que sentir. Non, du bout des narines. Du bout des narines. Non, 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 reste, non, reste loin. Plus il s'approche, plus je sens que ça vient. Plus il s'approche, plus je sens l'odeur de ses reins. Reste loin. On fait que se sentir, on fait que se sentir, on fait que se sentir. La seule information qui lui manque peut-être. C'est que je sors les poubelles de tout l'immeuble. On fait que sentir. Du bout des narines. On fait que sentir. Mais on se sent bien. Du bout des narines. Je remets du parfum. Ah là 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 là, qu'est-ce qu'elle est forte, Odile Cantero, qu'est-ce qu'elle est forte Odile, où que tu sois, sans doute chez toi, dans ton canapé, I guess, nous pensons à toi, nous pensons à toi. Vous aurez remarqué que c'est plutôt à bâton rompu comme présentation d'épisode, mais c'est comme ça, c'est mon style, c'est ma vibe. Et je vais vous viber vers la fin de cet épisode spécial, car nous nous retrouvons à partir du lundi 3 octobre pour la reprise de la saison 4, car cet épisode marque la fin des épisodes hors-série d'été, enfin bon, hein, nous sommes quasiment fin septembre, le temps nous rappelle bien qu'on n'est plus en été, il n'y a aucun doute là-dessus. En tout cas, on se retrouve à partir du 3 octobre pour des épisodes, des impros, des nouveaux jeux, des invités, tout ça. Et évidemment, un grand merci à Manu et Iseu et tous les invités qui sont passés. Et merci à vos publics. Au revoir.